Abonne-toi et active la cloche. Pour regarder mes vidéos cuisine, il nous faut la ciboulette. Logique, hein? Coucou! Alors aujourd'hui, je vais faire une recette. Alors c'est une recette de invention, bien sûr, avec du bar et de la ciboulette. Je vais tailler. En fait, là, on va faire le taillage des légumes. Voilà. Donc, je prends ceci et ceci. Et je coupe. Voilà. Hop. Et j'épluche. Alors, cette fois-ci, je vais la couper en petits dés, tout petits, tout petits, tout petits. Donc, je vais couper comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Je vais couper comme ceci. Voilà. Il faut vraiment que ce soit en tout petit, petit, petit dés. Il existe des appareils pour ça. Il existe des mandolines. Mon fils, il est doué pour faire comme ça. Moi, je suis pas douée, mais on va le faire. Ok. D'accord. Alors, on va prendre un récipient. Un récipient. Voilà, on va prendre ceci. C'est pas un récipient, mais bon. Et on va couper en tout petits dés minuscules. Alors, pour pas se couper les doigts, il faut bien mettre comme ça. En plus, moi, je vais avoir un maître en la matière. Il fait le cordon bleu. Mon ami américain. Ah oui, ceux qui ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas. Tachito, mon ami américain, qui j'espère va bientôt venir. Il est en train de faire des cours de cordon bleu. Donc, s'il peut voir que moi aussi, je peux me débrouiller. Sans me couper les mains. Voilà. On va éplucher la carotte. Et pareil, on va faire la même chose. J'ai un grand couteau, je ne l'ai pas pris. Parce que j'adore mon couteau céramique. Mais je crois que je vais être obligée de prendre le grand couteau. Voilà. Alors là, on fait très attention. On coupe entre les deux. C'est des lames de rasoir, hein, mon couteau. Voilà, on essaye de... Je ne vais pas prendre toute la carotte. Parce que je veux juste que ça donne un petit peu de goût. Voilà. Et vraiment, vous voyez, tout petit, tout petit, tout petit. Pas plus que ça. Ouais, en fait, j'ai compris pourquoi il faut faire comme ça. Parce que sinon, on peut se couper. Voilà, je vais prendre. Je vais en prendre encore un peu. Voilà, parfait. Alors, là, on va mettre ça là-dedans. Il faut toujours préparer les ingrédients avant. J'ai l'impression que... Voilà. Il faut toujours préparer les ingrédients avant. Toujours, toujours, toujours. Ce que je vais faire... Un défaut, mais bon. Après, je vais couper la ciboulette. Si vous n'avez pas de planche, vous pouvez prendre un verre et vous prenez une paire de ciseaux et vous coupez. Mais ça, je pense que vous connaissez. Voilà. Ça, je vais le laisser comme ça. Voilà. Alors ensuite, hop, voilà. On va couper l'oignon. Voilà.
Il paraît que quand on a mon cœur dans la bouche, les parents, ça fait pas un jour, hein. Je m'ai tué. Bon, ça a marché qu'un temps et c'est top, c'est pas top, hein. Voilà. Ah, tiens, on va mettre ça là-dedans. Voilà. Et vous savez comment on va faire, comme je vous ai expliqué pour la ciboulette. Mais ça va quand même, hein. C'est pas alarmant, hein. Eh ben, enfin, si, c'est alarmant. On va faire ça. Pour les finir. Voilà. Alors, attendez. Là, mon Dieu, j'ai les yeux qui pleurent. Les yeux qui pleurent, mais ça va aller. On coupe l'ail en deux. Voilà. Et on enlève toujours le germe. Mais j'ai l'impression que c'est pas la période des germes. Parce que j'en ai pas. Vous voyez, là, je viens d'enlever le germe, il est là. Mais je, franchement, j'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup. Alors par contre, je vais pas me prendre la tête. Je vais prendre mon appareil pour l'ail. Voilà. Alors, je mets mon ail là. Je vais vraiment pas me prendre la tête. Hein. Je ne me cache pas. Voilà, mon ail est haché. Bon, du coup, ça, je vais le laisser dedans. Voilà. Alors, maintenant, on va changer de place parce que tout est haché, tout est coupé. Il y aura le citron ici. Voilà. Je vais avoir besoin du citron. J'ai du jus là aussi, comme ceci. Déjà là, ce que je vais faire, je vais mettre du jus comme ceci, parce que je vais la faire mariner, avec un peu d'huile d'olive. Et là, du coup, je vais mettre, voilà, avec un peu d'huile d'olive, je vais laisser mariner. Enfin, mariner. Voilà. Et bien sûr, du sel d'ail, qui est pour moi primordial. Voilà. Ok, tout est prêt. Tout est installé, tout est prêt, le beurre, l'ail, le citron, le poisson. Je voulais faire des chips de pommes de terre, mais je crois que je ne vais pas les faire. J'ai ma poêle. Voilà, j'ai mon induction. Je vais l'ouvrir un petit peu. Voilà, donc je vais mettre dans ma poêle, je vais mettre de l'huile, du beurre. Parfait, voilà. Ce que vous entendez, c'est le bruit de l'induction, hein. Alors, voilà, je vais mettre 3 lichettes de beurre. Voilà. Alors, pour pas que mon beurre il brûle, je vais mettre de l'huile d'olive. Très peu, légèrement. Je vais prendre ma spatule, comme ceci. Je vais rajouter mon ail. J'aurais dû faire avant. Voilà. C'est de l'ail frais, vous avez vu comment il est super bien haché. Il est trop bien haché, trop haché. Et je vais rajouter les oignons. Ok? Voilà, je rajoute. Donc je vais faire revenir. J'ai les yeux dans un état. J'ai rajouté une pointe d'eau, hein. Faut pas que ça brûle, hein. Mais une pointe, hein. Genre une petite cuillère. Voilà. Ce que je veux, c'est qu'il soit cuit et non doré. Donc, si
s'ils sont dorés, tant mieux, mais je ne sais pas, ce n'est pas la recherche. Je vais rajouter les carottes, parce que les carottes, c'est long à cuire. Et je vais rajouter les dés de courgettes. Voilà, et je vais laisser mijoter. Je vais rajouter un peu de ciboulette. Voilà. Et je vais rajouter... Je vais mettre un citron, mais je vais prendre... Non, je vais prendre du citron frais, puisque je fais tout frais. Voilà. Ça, c'est l'accompagnement, hein, d'accord? Avec un ciseau comme ça, moi je suis MacGyver, hein. Voilà, j'ai ouvert, donc c'est super, j'ai réussi à l'ouvrir. Voilà, hop, et donc je vais mettre une petite michette, mais pas beaucoup, hein, pour donner un petit peu plus d'acidité. Voilà. Je mets pas de tomates, hein, j'aurais pu mettre des tomates, mais j'ai pas envie. C'est parce que mon ex-mari m'a fait les deux plats et l'eau fraîche. Et du coup, moi, bah, j'ai plus le plat et l'eau fraîche. Si j'avais fait des spaghettis, des linguini. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais lui faire manger. Comme il sait que je cuisine très très bien. Enfin, que je cuisine très bien, pas très très bien. Je vais mettre du sel, mais pas beaucoup de sodium. Voilà, très peu salé. Je vais le mettre de côté maintenant. Voilà, je vais le faire venir après. Je le mets dans une assiette et je le reprendrai après. Hein? Je le mets dans une assiette. Alors, tous les sucres, on va les garder. Voilà. Hop, maintenant ça, je le mets de côté. Maintenant, je remets du beurre. Voilà. Et de l'huile. Toi non plus, tu n'as pas changé. Voilà. Alors, il ne faut pas hésiter à avoir les mains sales. Hein. Je fais juste les cuire dans la sauce. Hein. La cuire, et voilà. Et là, je vais faire revenir. J'ai mis un peu de farine, pas trop. On n'a pas beaucoup. Alors, vous n'avez rien vu, je vous ai filmé. J'ai rajouté des amandes filées. Et là, je mets un peu de citron. J'ai farné. Je ne sais pas si vous avez vu, je suis désolée. Et après, je vais réserver, je vais mettre de côté. Bon, ben on a eu un petit souci, j'avais plus de batterie. Non, j'avais plus de stock sur mon téléphone. Donc là, j'ai mis des amandes effilées que j'ai filées moi-même. Enfin, des amandes effilées que j'ai fait griller. Maintenant, ben, je vais vous montrer. Hein. Voilà. Je le mets de côté, je le réserve. Voilà. Ah ouais, ben, oui, parce qu'avec la peau. Voilà, je réserve. Hop. Et je vais remettre dessus. Je sais, hein, mais il faut. Vous allez dire que c'est gras. Mais non, c'est pas si gras que ça. Mais regardez, j'ai même pas pris 50 g de beurre. J'ai pris un petit peu des petites lichettes de beurre. Voilà. Je rajoute du beurre. Je rajoute ma ciboulette en dernier. Voilà. Et là, je vais mettre mes épinards.
Voilà, c'est très, c'est quand même ça. Hein. Il y a du beurre, mais c'est ça. Hein. Voilà. Et je fais cuire les épinards. Et du citron. Voilà. Je filme avec mon smartphone, alors c'est pas évident. Avec mon Galaxy. Ma recette va être cuite. Mes petits légumes que je rajoute. Voilà. Et je vais dresser. Alors, pour dresser, déjà il y en a une qui va rester là et une qui va aller dans une boîte parce que c'est pour mon ex. Voilà. Alors, je vais mettre ça dans une boîte. Hop, voilà. Je vais lui mettre celle-là dans la boîte. Comme ceci. Je refume encore. Bon, c'est cuit. Voilà. Allez, je refinis avec les petits légumes que je vais lui mettre comme ceci. Voilà. Et là, je vais lui mettre les épinards. C'est un peu diète, hein. Mais c'est très bien. Faut manger diète. Voilà. Voilà ce qu'il va manger ce midi. Je vais l'appeler pour lui dire de venir le chercher. Et moi, je vais dresser. Alors, je mets les épinards d'un côté et je mets les petits légumes de l'autre. Voilà. Hop. Et hop. Un peu de ciboulette pour aller dessus. Voilà, mon plat est terminé. C'est un bar aux petits légumes avec un petit légume courgette, carotte, oignon rouge, avec des épousses d'épinards frais et voilà, avec des amandes effilées, du citron. Voilà mon plat. On va remettre, j'ai tout nettoyé, mais on va remettre parce que en fait, je vais faire autre chose parce que il me semble qu'il manque quelque chose, donc je vais le faire. Vous allez encore rigoler. Donc il me faut la poêle. Voilà. Alors il faut du beurre par contre. Du beurre. Vous voyez, malgré tout, le beurre, j'en ai pas pris énormément. Voilà, il faut du beurre. De la moutarde. Parce que je vais faire une petite sauce parce que franchement là, wow. Voilà. De la moutarde, pas plus que ça. Voilà. J'ai plus d'herbe fine. Mais j'ai de la ciboulette en. Voilà. C'est pas grave, j'en ai plus, hein. C'est dommage. Voilà. Si vous voyez, voilà. Alors vite, je savais pas que ça se mourrait comme ça. J'espère qu'elle est bonne, hein. J'ai fait ça, mais j'ai pas entendu le bruit. Bon, de toute façon je ne vais pas utiliser. Là. Et on va mettre du citron. Là par contre, je fais la bavite.
je vais mettre une petite pointe. Vous allez être sucré. Vous allez être choqué. Je vais mettre une petite pointe de sucre. Oui. Attendez. Voilà. Ouais, je peux mettre en sucre. Hein. Voilà. Que j'ai envie que ça enlève l'acidité. Et puis là maintenant, ben, on va. On va épaissir. Hein. Petite recette vous a plu, ben, abonnez-vous. Je ferai d'autres recettes. Likez, partagez, commentez. I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo, bye bye. Bon appétit, bien sûr. Abonne-toi et active la cloche.